Salut tout le monde, c'est Seven Happy Muffins et je vous retrouve enfin pour l'épisode 26 de notre série sur Final Fantasy VII. La dernière fois, on avait galéré comme pas possible pour traverser ce fichu glacier et récupérer tous les objets ainsi que la matéria d'invocation Alexandre. Maintenant, on va enfin pouvoir s'attaquer à la falaise. Sans plus attendre, allons-y. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son sur cet écran, n'empêche. Je pensais qu'on entendrait au moins le vent. Est-ce que vous entendez quelque chose aussi, ou est-ce que c'est mon son qui bug? Non, bon bah... Ah oui, c'est vrai, il faut que je me réchauffe en appuyant sur cette touche, ok. Ouais, il n'y a pas le son du vent, bon. Dommage. Allez, Cloud... Retournons vite dans une caverne pour qu'il y ait de nouveau du son pour nos spectateurs. Hop. Tac, 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 tac. Allez, Cloud, allez, 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 allez. Il faut pas qu'on descende en dessous de 27 degrés, en fait. Sinon, on va s'évanouir et on va retourner dans la maison d'Olzov. Donc, pas question, je l'ai assez vu comme ça. Voilà, 34-35, je crois que c'est le maximum qu'on peut atteindre. Voilà, enfin une grotte. À l'intérieur, on ne pourra pas s'évanouir. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Je suis où là? Ah, je suis là. Oh, qu'est-ce que je suis soulagée d'avancer enfin. Je commençais vraiment à en avoir marre du glacier. C'est vraiment un des passages que j'ai voulu. Quand on prend son temps, voilà. Si on reste calme et qu'on prend son temps, ça va. Mais je voulais vraiment pas rester deux épisodes dessus. Donc c'est pour ça que je voulais tout cliquer vite fait. Et au final, l'épisode n'est pas aussi long que ce que je craignais. Je pensais vraiment qu'on atteindrait les 1 heure et que ce serait... On battrait peut-être le record de la durée d'épisode, mais au final, ça va. Ça a été. Ah oui, par contre, je voulais faire... Parce qu'ici, apparemment, il y a des ennemis avec plein de talents d'ennemis. Donc, je vais... Je pense qu'il y aura des ennemis de glace, donc on va pas mettre Shiva. On va mettre talent d'ennemis ici. Et Alexandre, à la place de Bahamut. Ça me dit bien, tout ça. Chocomog, dès qu'il arrive à 100%, je le change pour remettre une autre invocation à la place. Allez, du coup, il y a un truc ici. Maintenant, le son de mon casque est trop faible. Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est que ces petits pingouins? Ah oui, Claire n'a aucun talent appris. C'est normal. C'est une arme pour Cid. J'atterris où en passant par là? J'atterris là. Ce qui me fait arriver je ne sais où. Oh, comme c'est beau. On dirait le même monstre qu'à Nibelheim. Le même monstre que dans la montagne de Nibelheim, précisément. Thank you.
Ok, ça va. J'avais peur que qu'il soit très résistant comme un boss et tout, mais ça va. Aussi résistant que la Reine des Neiges. Alors, du coup, j'atterris là, ok. Fais tomber le rocher, oui. Voilà, comme ça, le chemin est dégagé. Et moi, je vais pouvoir retourner à l'autre entrée. Voilà, donc je retourne là. Cette fois-ci, on peut grimper. Je dirais des papillons chauves-souris. Tête de démon. Charmant. Oh non! Bon ben... Voilà, acharnez-vous sur lui, hein. Non, tu ne peux pas, Vincent. Aphasique, je crois pas. Ça a dû le guérir la fin du combat. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres FF. Donc, ici c'est bon, j'ai ramassé l'objet. Rien en haut. Ah! Bon! Et ben, vous savez quoi? Kitsi a atteint sa deuxième et unique limite. Donc, c'est-à-dire que dès que je retourne sur la carte, dès que j'ai un point de sauvegarde, je le vire de l'équipe. Donc ouais. Ah non, c'est vrai. Je mélange totalement. Le dé n'a aucun effet aléatoire. C'est juste le nombre indiqué sur les dés fois 100, ça fait des dégâts. Par contre, la roulette, il y a un effet aléatoire. Donc voilà, lance les dés et ça fait des dégâts. Donc configurer. Dommage, j'étais presque à sa limite. On remet à 0. Comme ça, je vous montrerai roulette. Puis après, on le virera dès qu'on aura un point de sauvegarde. Ah, on peut monter jusqu'à 36 degrés. Ok. Cloud, comment tu grimpes? Montre-nous. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller à droite? Je suis pas certaine. Non, Cloud, tu montes. Je sais que tu adores Olzof, tu es son plus grand fan, mais on ne retournera pas chez lui. Pas grimper. Bon ben, gagné, Cloud, on va redescendre. Bon, on redescend. Ça ne servit à rien. Cloud, on descend. D'abord, réchauffe-toi un petit peu. Maintenant, ça suffit. Cloud, on descend. Non, voilà. Monter. Aller à droite, apparemment, je peux pas monter de toute façon. Oh, non. Donc nous revoilà, Cloud fait sa gym en plein hiver. Ok.
Ça devrait aller cette fois. En tout cas, j'ai eu beau être juste devant un point de sauvegarde, j'ai totalement oublié de changer K6, de le tirer de l'équipe, donc il est toujours là. Et Vincent a pris sa nouvelle limite, donc tant qu'à faire d'ailleurs, je vais lui changer son niveau de limite, voilà. Et Katie, je vous montre sa limite dès qu'on a un petit combat aléatoire. Du coup, je prends gauche ou droite? Je sais pas, là où il y a une grotte. Ouais, je pense qu'on aurait été coincé à droite. Donc, je pense qu'ici, c'est la bonne direction. Mais ouais, ça m'a tellement surpris. J'ai pas du tout fait attention à la température du corps qui descendait. Et puis, pouf! Surprise, écran qui se fige à 26 degrés. Ok, on arrive déjà à cet écran. Encore les têtes de démon. Bah. 3 étoiles, qu'est-ce que ça fait? Danse de Mog. Ça nous soigne. Oh, ça nous redonne même nos MP, ça c'est impressionnant. Ouais, la limite de Kate 6, elle est sympa, mais seulement si on a un bon. Si on tombe sur un bon résultat de roulette, quoi. Bon, voilà. Il vous a fait sa démonstration. Donc, au prochain point de sauvegarde, on reprendra quelqu'un d'autre. Je pense à Yuffie. Il n'y avait pas un point de sauvegarde, justement, dans ce coin-là. Alors, un coffre. Voilà, élixir. Je pensais qu'il y en avait un. Tiens, je vais vous faire une démonstration d'Alexandre. Tant qu'à faire. Bien efficace cette matériale. Alors, oh oui, voilà, on peut pas atteindre ça pour l'instant, donc. Ah, tu croyais passer inaperçu, toi, hein? Bon, alors, matériale. Kate 6, merci pour ton service. Et nous allons prendre Yuffie avec nous. Sid, je le garde pour plus tard. Alors, matéria pour Yuffie. Comète. Évidemment, on va mettre talent d'ennemi. Couverture, ça t'aidera à prendre tes limites. Quelques invocations. On va te mettre Bahamut et Kuchaka. Qu'est-ce qu'on pourra mettre d'autre parmi tout ça? Ça pourrait bien nous servir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre écran? Tiens, on va tester ça. Ajouter de tawa. Je sais pas trop si ça va nous aider, mais bon. Plutôt tout, en
va mettre. Et parmi ça, Super HP, ça lui fera du bien. Et puis on va laisser ça comme ça. Déjà la matéria, elle a la matéria talent de l'ennemi, donc ça devrait aller. Niveau limite, tu en es ouf ma petite Yuffie. Oh, tu n'as que ta limite de base. Bon bah, on va s'occuper de toi. Je voulais aussi, pour mon personnage qui doit prendre ses limites, j'ai aussi besoin de récupérer celle-ci, contre-attaque. Et donc, toi, à la place, on va te mettre une invocation. Ou pourquoi pas ça, tiens. Oui, ça. Et Yuffie, donc, on va enlever coupure supplémentaire, parce que je sais pas trop ce que ça va faire, en fait. Donc, on va mettre contre-attaque à la place. Voilà. Et tant qu'à faire... Non, on va pas enregistrer. On enregistre que après les tournages. Donc ici, on peut pas y aller pour le moment, donc on va aller ici. Ah, voilà de quoi étraîner notre équipe. Par contre, je me rends compte que j'aurais dû peut-être... on va mettre... Non, je vais mettre Regen. Fille éclair d'huile. Lui, il est très dangereux. Il fait des attaques genre haleine putride qui te fait des drôles de changements d'état sur tous tes personnages. Tu peux mourir assez rapidement. Donc, il faudrait que j'équipe des rubans sur mes personnages en accessoires. Et il faut que je le termine avant qu'il m'ennuie, donc on va faire... Ouais, mais après ça fait de perdre de temps les invocations, les cinématiques sont trop longues. Voilà, parfait. Alors, sur qui je vais mettre un ruban? Cloud, qu'est-ce que tu as? Cercle d'eau. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un avec une attaque d'eau. Quoi? J'ai pas de ruban? Mais j'étais sûre d'en avoir un. J'en ai pas. Mais c'est triste. Yuffie. Oh, je suis sûre que le seul ruban que j'ai, il est équipé sur un autre personnage. Bon, bah, j'ai la flemme de faire demi-tour, donc j'espère que ça ne jouera pas des mauvais tours. On va te mettre ça, Yuffie. Et les autres, bah, écoutez. Allez. Ok, alors ce combat est spécial, faut que j'explose ce glaçon. D'abord on va soigner tout le monde, parce que Yuffie est un peu à la peine. En plus, comme elle a la matérielle couverture, c'est elle qui prend tous les dégâts. Yuffie! Oh non, au revoir Yuffie. Alors, Cloud, tu vas ressusciter Yuffie. Vincent, tu vas attaquer ces vilaines sangsues qui nous courent sur le haricot. Ah mais non, il a plus de magie. Je suis bête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se débarrasser des chauves-souris. Et on ressuscitera Yuffie juste après, parce que là, ça va être vraiment compliqué. Oh.
Voilà, maintenant il faut abattre ce glaçon pour qu'il tombe dans la salle du dessous où il y avait ces étranges trous dans le sol. En fait. Voilà, c'est bon. Et à moi. C'est marrant, on dirait... Non, on dirait des dents, en fait. On dirait des dents. Voilà. Hop. Suivant. Bon, comme ce ne sont que des combats contre des têtes de démons et des gros glaçons, je vous les passe, hein, ça vaut vraiment pas le coup. Ok, Clad est enfin au niveau 50. Toujours pas. Je voulais juste vérifier si j'ai bien eu le bracelet. J'ai pas eu le bracelet feu, je pensais que j'avais rien. Bizarre, bon. C'est pas grave. On le retrouvera en bas. Je vais prendre ce coffre-là. Et en fait, le bracelet feu, il est dans celui tout là-bas. Je l'avais totalement oublié. Voilà. Maintenant, on peut descendre en bas. Enfin, ou d'autres à part en bas, de toute façon. Alors, attends. Voilà. Sauter. Oui. Voilà. Maintenant, le chemin est complet. Attends une seconde, parce que du coup, je voudrais équiper mon bracelet. Bracelet feu. C'est bon, en fait, ça ne t'enlève aucun orifice, donc c'est parfait. Comme ça, nous avons bracelet feu, bracelet dragon. Ah. K6, excuse-moi, je dois te parler quelques secondes. Et on va en profiter pour aller récupérer le ruban aussi. Donc, d'abord, K6, puis on va voir si... Est-ce que Sid, est-ce que c'est toi qui as le truc ou je t'ai pas encore pris dans mon équipe, peut-être? Voilà, bracelet Aurore. Tu vas nous rendre ça gentiment. À nos paix, c'est pas toi qui l'as. Mon pauvre Sid, tu n'as rien du tout, parce que je ne me suis pas encore occupée de toi. Barret, Tifa, c'est vous qui avez le ruban? Non. Non plus. Est-ce que c'est toi, Red? Voilà. Donc, juste au cas où je retombe encore sur ces énormes trucs monstrueux... Je vais prendre le ruban avec moi. Et je voudrais l'équiper à Cloud. Parce que les attaques d'eau, ça. Voilà. Cette fois-ci, on peut y aller. Je viens de voir qu'il y avait un coffre tout à gauche dans le coin. Je le vois briller dans le coin de l'écran. Voilà, donc, on y va. Que d'aller-retour. Voilà, source de rapidité. Maintenant, on peut enfin y aller. Thank you.
Mais non, mais non, mais non, c'est pas vrai. Voilà. Ensuite, super épée. Ça, c'est forcément pour Cloud. On perd plus qu'on ne gagne là, non? Mais en même temps, on peut entraîner un tout petit peu plus de matériel. Allez, vendu, on la prend. Et on va rajouter Shiva et Ifrit. Ça pourrait bien nous servir pour notre fameux boss mi-feu, mi-glace. Trop cool! Cloud a appris sa nouvelle limite! Parfait! Bah c'est parfait, c'est vraiment parfait en fait. Comme ça, on va l'utiliser un peu pour débloquer sa deuxième limite de niveau 3, et après, on n'aura plus qu'à dénicher l'objet pour lui apprendre son ultime limite de niveau 4. C'est parfaitement parfait. Ok, alors. On va essayer de le faire monter jusqu'à 38. Voilà, c'est 38 le maximum. Je pensais que c'était 35, mais non, non. C'est 38. Monte, Cloud. Je pense pas que... Je suis pas sûre qu'il faille aller à droite. Là, franchement, ça me dégoûterait trop de retourner chez Olzhof alors que qu'on a fait pas mal de trajets. Alors, je crois que là, il faut descendre à droite. J'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe? Ouais, je crois bien que je me trompe. Bon. Alors, on grimpe, Cloud. Cloud, presque. 37, 38. Ok, point de sauvegarde. Source blanche, on est soigné. Alors attendez, je vais juste... Je sais ce que je dis. On sauvegarde seulement à la fin des épisodes. Mais on est juste avant un boss, je crois, donc prudence. Voilà, c'est lui, le fameux boss mi-feu, mi-glace. Schizo-droit et schizo-gauche. On va commencer par s'occuper de celui de glace. Ou alors peut-être que je peux faire les deux avec Trine. Cloud, tiens, tu veux faire Regen plutôt que soin. Est-ce que ça vous plaît? Ça a l'air de vous plaire.
Cloud, dépêche-toi, Regan. Je pense pas que Yuffie va sur un tour. Peut-être une invocation. Imaginez face feu, glace, foudre, terre. Attaque sans éléments. Ça, c'est mieux. Cloud, guérit 3. Vincent, Trine. D'après guéri 3, tu feras Alexandre. Les mecs, c'est ça un vrai dragon. Oh non, pas tremblement. Jata, j'ai trop peur que ça l'y soit. Vincent, tu vas nous montrer ta nouvelle limite. Cloud, Alexandre. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Bon, est-ce que vous en voulez encore ? Ok, il y a une de ses têtes qui est morte. Allez Vincent, achève-le. Par contre, Yuffie et Cloud ne sont pas en très grande forme, donc j'ai peur qu'ils ne survivent pas à ça. Non, c'est bon. C'était juste, mais... Grâce à Vincent, on s'en est sorti. Grâce à Vincent et à Alexandre. Voilà. Ok, Cloud, on va soigner tout ça. Vous remarquerez d'ailleurs que... J'ai plus la barre avec la température du corps, donc on est à la fin. On y arrive. Donc là, tu grimpes beaucoup plus lentement que tout à l'heure, alors que je dirais qu'il n'y a plus de vent.
Nous voilà enfin. Un vieux cratère. Quelque chose est tombé du ciel et s'est écrasé ici, en laissant une plaie béante sur la planète. Je sais ce qui se passe. L'énergie se concentre ici pour soigner la plaie. C'est bien, Yuffie, tu as bien écouté. Sephiroth s'est emparé de cette énergie et essaye d'utiliser le météore. La prochaine fois, la plaie ne sera pas si petite. Sephiroth, on arrive. De retour à Sephiroth. T'as pas d'objet à me donner cette fois? Bon. Cloud, attends-moi! Emmène-moi, tu peux recharger Sephiroth, c'est ça? Ben, c'est un peu le but du jeu. À cause de Sephiroth, moi aussi j'ai perdu beaucoup. Alors emmène-moi, s'il te plaît. Ne dis pas non, s'il te plaît, d'accord? Il n'y a rien à faire. Bah, j'aime... Non, mais je voulais juste la déplacer là. Bon, d'accord. Je vais dire au revoir à Yuffie. Et je vais prendre Vincent avec moi. Par contre... Yuffie, est-ce que... Tu veux dire que tu ne m'aimes pas? Yuffie, enfin... Ne me fais pas ces yeux tout tristes. Est-ce que tu m'as rendu ta materia, Yuffie, par contre? Nope. Bon bah j'espère que je vais tomber bientôt sur un point de sauvegarde parce que j'aimerais bien faire l'échange de matéria, hein, et parce qu'il faudrait clôturer cet épisode. New Balance, parfait, et un point de sauvegarde. Que demande le peuple? Cloud. Que demande le peuple? Ben que tu sautes correctement. Cloud, ça suffit. Ah bon sang, ils sont désobéissants ces enfants. Y a pas une... bon, je pensais qu'il y avait... Si, ça doit être dans... Échanger. Voilà. Donc, ici, hop, hop, ça. Ça. En plus, elles ont pratiquement exactement les mêmes trucs. Hop, hop, hop. Tout ce que j'ai à faire, c'est peut-être éventuellement lui prendre les bracelets. Qu'est-ce que tu as en équipement? Bracelet or? Bah non, on va laisser. Ça... On va le prendre par précaution. Voilà, je reprends Vincent avec moi. Tifa, est-ce que je t'équipe de quelque chose en particulier? Niveau matériel, ça quoi? D'accord, bah c'est parfait. On va te faire bracelet éclair. Attendez, accessoire. Ça. Et du coup, l'un d'entre vous a un bracelet un peu nul, je crois. Si c'est pas toi, c'est peut-être Cloud. On va le mettre. Ouais, mais le truc de Vincent est quand même bien. Allez, on va mettre un clair. Voilà. Maintenant, on est parfaitement équipé. Donc, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On touche enfin au but. On approche de Sephiroth. Que va-t-il se passer? Sachant que, moi, personnellement, avec ce qui va se passer dans le prochain épisode, je pense que ça aurait pu être... la vraie fin du CD1. Mais je pense que par souci d'équilibrer les données sur chaque CD, ils ont préféré arrêter le CD1 après la mort d'Aerys. Mais je pense que ça aurait pu très bien être après la fin du prochain épisode. Enfin bref,
Vous verrez ça très prochainement. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Salut !